Bonjour à tous, ici Génération Device. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un truc que notre codeur vient de nous envoyer par mail. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer par mail aussi. Vous le demandez, je vous l'envoie par mail. Sur Facebook ou quoi, vous mettez un message sur la page. Je vous l'envoie par mail. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est iFile. Voilà. Et donc moi, j'ai fait un fichier HTML dans iFile. Donc il faut faire modifier plus. Faut faire un fichier en point html, donc je fais j'écris n'importe quoi, point html, voilà, html tout simplement. Voilà, donc je fais dans, après je vais dans type, attribut type, fichier normal, voilà, créer, et là il m'a créé un deuxième fichier html. Bref, voilà, moi le code il est dans JD.html. Alors, je vais l'ouvrir. Navigateur web. Et attendez. Ah, je n'ai pas compris. Attendez. Voilà. D'abord, juste, je voulais vous en parler. En vous parlant du site Jailbreak.me. Vous connaissez bien sûr tous le site Jailbreak.me pour jailbreaker son iPhone en slidant. Moi, j'ai pas le bon firmware, donc je ne peux pas vous montrer. Même vite fait. Voilà. Et vous devez aussi tous connaître le site Jailbreak.me. Oui, pardon, je me suis embrouillé. Voilà. Et ben notre cher ami codeur Selim nous a fait le code source de la page et nous l'a redirigé vers ça. Pas une page blanche. Voilà. Donc bon, il n'est pas tout à fait fini. Le slide, je crois qu'il marche pas tout à fait. Enfin, en tout cas, sur moi, le slide il marche pas. Ça charge encore. Non, je voulais pas faire ça. Attendez. Voilà. Donc là, moi, pour moi, le slide il marche pas encore. Le site est atterri sur la version mobile direct. Voilà. Et là, vous voyez, il y a écrit version tout mou. Il a oublié de enlever, mais bon, en tout cas, en gros, il a écrit JD. Voilà, donc vous allez sur JD site en bas, ouvrir parce que je suis resté appuyé longtemps, et là, ça va vous amener sur le site de notre site. Voilà, donc je tenais absolument à faire une vidéo là-dessus parce que c'est tout simplement extraordinaire ce qu'il vient de faire. Voilà. Donc voilà, c'est, je sais même pas comment le remercier parce que c'est tellement bien ce qu'il a fait. Voilà. Si vous voulez, vous allez voir, je vais vous montrer le code source de qu'il a dû modifier. Voilà, regardez. Ah, il y en a un paquet. Voilà. Si vous voulez, je vais vous montrer ça sur mon ordinateur. Pardon, sur mon ordinateur. Je crois que je l'ai mis dans notre pad plus plus. C'est pas le bon écran. Voilà. Alors regardez. Déjà, si vous voyez la flèche en bas, elle est toute petite. Alors, parce que moi j'ai fait directement de mon iPod parce que sur mon ordi, voilà qu'est-ce que ça donne. Voilà. C'est vraiment. Enfin là, je l'ai fait vraiment vite. Oh non, mais je suis. Regardez, si je reste appuyé, voilà, ça va défiler. Bref, ça va mettre trop de temps. Regardez, ça en est à peine là. Voilà, donc il a vraiment modifié, il a vraiment fait un super boulot pour ça. Il s'est donné à 200% des nuits blanches. Il a dû en faire pour ça. Voilà, je le remercie vraiment de tout ce qu'il a fait pour Génération Device. Voilà, je vais lui poster un petit message sur Facebook, bien sympa. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez notre site, partagez tout notre tout. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.